Nous sommes arrivés à un niveau où, franchement, je ne sais pas quoi dire. Mais bon, le combat continue, la lutte continue, Inch'Allah. Partagez, mettez les cœurs, c'est Benito de Massanta, Massanta Benito. Partagez, s'il vous plaît. Pour un premier temps, nous parlerons des candidatures libres selon Dansa Kuruma. Un second temps, nous parlerons de. Comment on appelle ça? Nous parlerons de la musique de notre tonton Tikenja Fakoli, qui vient de sortir un petit son. Tu te bats contre un peuple qui t'a pas élu. Le jour le peuple dira non, tu te demanderas qu'est-ce que tu as fait à ce peuple. Bonsoir. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, j'allais oublier le point, je voudrais m'adresser à Black État Commando Faré, selon les informations qui viennent de signer un deal avec Doumbouya. Partagez, c'est les infos. C'est les infos, c'est Benito. Donc, Dantila, comment vas-tu, Dantila, comment vas-tu? Oum Fadiga, comment vas-tu, la tata? Ma sœur chérie Adama Kamara, salam alaikum. Voilà. Mon bébé est là, c'est ma cousine chérie, Mariam Diallo, comment vas-tu? Nabine Tifoliana Moussounima, voilà. Merci, Don Salas, depuis la France. Merci beaucoup. Bonjour à Djanko, à la Makita. Donc, vous allez m'excuser, j'ai vu vos messages hier, vous m'excusez beaucoup, j'étais en déplacement hier. Mais, excusez-moi, il y a certains commentaires. Je ne voudrais pas répondre à ça. Voilà, selon certaines personnes, le peuple est attaqué, Maître Viette, nos grands communicants, on ne t'a pas vu en ligne. Mais ce que vous devez savoir, avant tout, il y a la famille aussi. Avant tout, il y a la famille. Voilà. Comme vous me voyez souvent seul, là, vous pensez que je n'ai pas de famille. J'ai une famille, voilà. J'ai une famille. Ne me voyez pas souvent avec ma fille, mais j'ai une grande famille. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Mes 6 sœurs ici. Voilà. 6 sœurs, dont 2 viennent d'accoucher. Il y a eu 3 jours entre les 2 accouchements. La Benjamine et l'une des jumelles. Donc, j'ai une famille, je dois me déplacer, aller saluer, vous comprenez? Mes 2 petites sœurs ont accouché, il y a 2 jours d'intervalle. La Benjamine et l'une des jumelles de ma maman. Donc, vous comprenez, j'ai vu vos reproches, tout ça là. Mais, s'il vous plaît, vous devez arrêter ça aussi. Pardon. Vous devez arrêter ça un peu. J'ai vu des messages hier. Je lisais, ça me faisait mal. Mais j'ai préféré me retenir. Sinon, j'étais jusqu'à, en partant sur la route du Canada. Parce que j'étais pas loin de Montréal. J'étais à 150 km de Montréal. C'était pas loin. Mais là, la famille aussi, vous devez comprendre les reproches, les reproches, les reproches. On t'a pas vu, mais dis donc, s'il vous plaît. Voilà. Excusez-moi, ça c'est entre parenthèses. Voilà. Donc, je voudrais d'abord, merci beaucoup, merci. Je voudrais d'abord m'adresser à Abla Keïta Coumba de Farré. Abla Keïta, moi je ne dis absolument rien. Monsieur Keïta, vous avez vu. Merci beaucoup, ma cousine chérie. Merci, Maria. Merci beaucoup. Abla Keïta, tu as vu. Merci, Maessa Toussoire, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Donc, Abla Keïta, je voulais juste que tu regardes. Tata Diana, merci beaucoup. Regarde aujourd'hui. Tu sais très bien comme moi, celui qui s'apprête à mettre le feu dans ce pays, qui s'appelle Dansa Kuruma. Je ne parlerai pas de tuerie. Même au temps du professeur Faconde, c'était le même processus. Les tueurs là, c'est eux. C'est-à-dire, ils ont tué pour mettre sur le professeur Faconde. Maintenant, ils sont en train de massacrer le peuple. Je ne viendrai pas aussi répondre Matoto, Matam Bessia, c'est-à-dire l'autre route là. Moi, je ne vous répondrai pas. Alliance, si, pensant que le combat appartient à la route de Prince, et puis vous aimez dire, ah, Fulalou, à la comportement, à l'Ouignale, alliance, si, nous parlons de la Guinée actuellement là. Nous parlons de la Guinée. Fula côté, Maninka côté, Thomas côté, Bessia côté, Kissi côté, Maninka côté. Merci beaucoup, Nabi. Agnalo, et puis un signal pour le croisé. Vous regardez. Vous avez vu ce matot là.
Personne n'a vu un pick-up ou bien des chars passer. Mon Simaï, c'est sur l'acte là. C'est-à-dire Kawa, Almalon, Kalyan, Ankunda, Béalati. Il y a un passage que Takana a dit à Kankan. Takana Zéon, il a dit, la seule fois j'ai été d'accord avec Takana. Je dis bien, la seule fois sur cette terre, j'ai été d'accord avec Takana. C'est ce qu'il a dit à Kankan. Si Doumbouya quitte le pouvoir là, les Malinkés vont passer 100 ans pour les Mandingues là, 100 ans avant de voir le pouvoir. Dans ma tête, n'était. De le Kafalniana. Vous êtes assis, hein? Vous avez vu comment ils ont massacré 2 jours. En 2 jours, il y a eu plus de 11 morts, plus de 20 blessés. Voilà pourquoi j'ai pris le morceau, j'ai allé sur ma page, j'ai partagé le son de Tiken Dafakoli. Écoutez ce que Tiken dit. Ceux qui m'ont suivi ce matin-là, j'ai juste partagé parce que son son a un droit d'auteur. Je ne peux pas faire passer sur ma page. Sinon, ils vont bloquer mon compte. J'allais vous faire écouter le son. Il a clairement dit, tu te bats contre le peuple qui t'a pas élu. C'est-à-dire, tu te bats contre le peuple qui t'a pas élu. Le jour le peuple dira, je me suis limité là. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème. Monsieur Ablaye qui est à commande Farel, tu as vu cette constitution, on dit avant-projet. Monsieur Ablaye qui est à les enfants du Seigneur, parce que je les appelle les enfants, ça se voit même que ce ne sont pas de vrais fonctionnaires. Regardez comment ils s'y prennent avec les documents du pays. Vous avez écouté, le monde entier a écouté, que c'est l'avant-projet de la nouvelle constitution, un avant-projet d'abord qui sera étudié. Regardez le temps. Hein. Quand j'ai calculé le temps qui m'a été donné par mon informateur au niveau du CNT, ils ont prévu pour d'abord faire lire l'avant-projet à tous les conseillers et autres, faire des séminaires là-dessus, 5 mois. Donc, quand 5 mois, regardez 5 mois, nous sommes au mois, presque au juillet parti, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 5 mois, ils vont entrer d'abord lire l'avant-projet, faire comprendre l'avant-projet. Ils ont pris 3 mois pour sillonner toute la Guinée pour d'abord expliquer aux Guinéens, imaginez-vous, je suis en train de vous parler des dépenses, parce que ce n'est pas gratuit. Ils vont faire d'abord des séminaires, 5 mois entre d'abord, parce que vous voyez, ce n'est pas eux qui ont écrit cet avant-projet de la cause. Ce n'est pas eux. Tellement qu'ils prennent les Guinéens comme des bêtes. Et puis, absolument, les gens acceptent ça. Ils prennent les gens comme des bêtes, comme des animaux. Donc, d'abord, ils vont lire d'abord, faire comprendre d'abord à tout le monde, parce que ce sont ces conseillers qui vont sillonner toute la Guinée, expliquer le contenu de l'avant-projet à toute la Guinée, et puis dans différentes langues nationales. Cela prendra 3 à 4 mois, ils ont prévu. Donc, nous parlons de 9 mois. Nous allons nous retrouver jusqu'en avril 2025. Ils sont en train d'expliquer. Il n'y a pas eu de recensement de la population. Il n'y a pas eu de recensement, rien. Jusqu'en avril 2025. Ils sont en train d'expliquer ça. Et puis, revenir, faire approuver ça, faire passer ça. Écoutez très bien. D'abord, à un référendum. Parce qu'on vous parle de référendum, c'est faux. Ils vont faire passer ça à un référendum avant que, selon eux, que le chef d'État va promulguer. Monsieur Ablaye qui est en commande Farel. Et puis quand on va promulguer, Doumbouya signe, c'est terminé. Les candidatures libres, Doumbouya sera un candidat libre. On sait qu'il ne sera pas candidat libre. Il y a des soutiens, on connaît les soutiens, je me tiens là-dessus. Parce que dire tout de suite là qu'il est candidat du PIP, ça va faire assez le problème. Ou bien les candidats de tel nom, vous allez trouver la bonne formule. Ouais. C'est eux qui ont étalé le calendrier là. Maintenant, à quand ils vont recenser? Parce qu'on ne parle. Qu'est-ce qu'on se dit dans ça à trouver la bonne formule? Dans ça à réussir. Parce que dans tout ce que dans ça est en train de faire,
n'importe quelle institution internationale doit respecter la souveraineté de la Guinée. La Guinée est libre de se doter d'une constitution. La Guinée est libre, libre. C'est-à-dire, actuellement là, il se frotte les mains pour dire que dans ça a réussi, dans l'avant-projet. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est ce qui s'est dit depuis hier là. En même temps, ils ont fini d'assassiner les enfants des gens. Regardez le petit qui a pris une balle ici. C'est ici qu'il a pris la balle. Hein. Dans ça, a réussi. Maintenant, nous allons mettre ça sur. Voilà. Nous allons mettre ça sur une clé USB ou je ne sais pas, envoyer à la CDAO, à l'Union africaine, à l'ONU pour qu'ils voient notre avant-projet. Vous n'avez rien compris. Parce que vous dites démocrate. C'est que Tikenda, vous n'avez pas compris. Vous vous battez contre le peuple qui ne vous a pas élu. Et le pouvoir appartient au peuple. Quel enseignement vous donnez au peuple? Là, personne ne peut discuter. Nous sommes en train de partir vers le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que nous partons vers? Le retour à l'ordre constitutionnel ne demande pas de se comporter comme ça. Qu'est-ce que le retour demande? Le fichier électoral. C'est ce que le retour demande. Le fichier électoral, le recensement, la correction du fichier électoral. Ou bien recenser la population qui doit voter. Et puis c'est terminé. Organiser les élections. C'est tout ce que le retour demande. C'est tout. Ce n'est pas l'avant-projet de la Constitution. Et puis quand je vois le petit dans ça, l'enceinteur, Malobali, à Baragnola. Ici. Que c'est une première en Guinée. Écoutez-le, hein, le salaud. Que c'est une première en Guinée. C'est une première en Guinée. Qu'on a, regardez. Non. Que c'est une première en Guinée. Nous avons. Il y a un passage là, c'était à 3, nous avons perdu partie à 9. C'est-à-dire, le gars veut nous expliquer qu'il a fait un miracle. Comme si c'est un miracle. L'avant-projet, il a donné mal la nouveauté dedans. On parle de parrainage. Un pays adaptateur, on parle de parrainage. Quel est le candidat qui va avoir des difficultés pour avoir des parrains ici? Un pays où les gens ne vivent que dans les poches des autres. Quel est le candidat qui va manquer de parrainage ici? Quel est le candidat au parrainage? C'est-à-dire, le gars veut faire. C'est-à-dire, lui. Il veut. Les... Non, dans ça, non, c'est un vrai pervers. Quelqu'un. Même il faut respecter le poste de l'institution, le CNT. C'est comme vous prenez le président du CNT du Mali. Il va lancer une dame dans son même dans son cabinet. C'est honteux. C'est-à-dire le matin, tu enlèves le caleçon à la fille, vous retrouvez le lendemain dans le même bureau. C'est honteux. Hein? Est-ce que toi tu peux te concentrer pour travailler? Tu es en train de te rappeler de vos positions de la nuit. C'est tout. Aucun homme ne peut vous dire qu'il a passé la nuit avec une fille dans le même, qui travaille dans le même bureau que lui et qui vient le matin, il se rappelle pas des positions quand il le voit. Faux! Archi faux! Il va aller mousser et tout. Même si tu es concentré, ta tête va directement à vos trucs. Non? C'est la première fois que je vois un président du CNT ou bien de l'Assemblée nationale, comme c'est comme ça, il se dit, au président, enceinte ça, la fille qui travaille dans le même bureau que, hein, dans le même bureau. Moi, je le dis, il n'y a pas quelqu'un qu'un homme n'a qu'à me dire le contraire. Tu couches avec une secrétaire ou femme qui travaille dans le même le matin tu viens. Dès qu'elle passe devant toi, il n'y a pas bien quand tu rentres, ta tête va directement dans vos trucs dans un man à lui. Vous voulez foutre ça la cata là. C'est ce type-là qui vient en boubou s'arrêter devant les gens pour dire que t'es une nouveauté, comme s'il a fait du miracle. Qu'est-ce que tu donnes aux Guinéens? Du papier, du nez? Tu veux seulement faire le protocole pour présenter Doumbouya. C'est simple. Il faut présenter Doumbouya. Parce que vous voulez éviter la formule de Dadis. Lorsque Dadis dit que je peux ôter la tenue de me présenter. Parce que vous avez pris conseil par rapport aux propos de Dadis. À Témarcela, nous connaissons toutes les formules pour se dire candidat. Là où vous avez mis les candidatures libres, l'article 46 aussi. L'article 46, l'article 47. Il y a plus de 4 articles qui donne ce gars la candidat, qui permet à cet individu, un malfaiteur, regardez comment il a mis notre pays en 3 ans. Nous allons lui donner un mandat, c'est par rapport à quoi?
Konoko, il va faire comme la Guinée, comme le pays de Kagame. Kagame et Doumbia, c'est la même chose. Kagame était un assassin criminel. Je vous rappelle, hein, il y a un accord qui a été trouvé entre les deux pays. Bientôt, tout va finir. Vous comprenez? Donc, toi, Abla Keita, comment de faire? Famille, voilà un homme à qui tout le monde portait espoir. Même moi, je comptais beaucoup sur lui. C'est une information que j'ai vérifiée. On m'a demandé de vérifier. Quand on m'a envoyé l'information, on dit de vérifier. Il dit, est-ce que Benito, si je te dis quelque chose, tu peux le croire? J'ai dit non. Actuellement, là, je ne crois aucun Guinéen. Aucune information qui vient de Conakry, là, si ce ne sont pas mes hommes, là, je ne crois pas à une personne étrangère. Il dit, ok. Nyukuma Kelefouyana, prends ça. Yalamara, Abdelala Sakore Yalamara, Commando Faré a signé un pacte avec Doumbouya. Abla Keita, Commando Faré, à qui tu as toutes les confiances du monde, a signé un pacte avec Doumbouya. C'est Abla Keita là qui va faire la transition de Doumbouya pour que Doumbouya soit candidat. Il dit quoi? Quoi? Il ne le kafouyana à vérifier. Il faut prendre ton temps, tu vérifies. Je veux que tu prennes ton temps. Il faut vérifier ce type que tu vois. Il a dessus beaucoup de personnes. Même Sekouba Konaté n'est pas au courant. C'est ce qui se trempe. Alors c'est presque terminé. Ils ont finalisé les choses. Les cafés là. Il faut vérifier. Je dis ok. Je vais vérifier. Quand je serai à Philadelphie, parce que je ne suis pas à Philadelphie. Voilà, je suis à Buffalo. Donc à mon retour, il n'y a pas de problème. Ou bien arriver à Albanie, je vais prendre mon temps et puis appeler. Arrivé à Albanie, j'ai garé là-bas, j'ai pris mon temps. J'ai appelé deux, trois amis. Il y a un qui m'a dit, apparemment c'est vrai. Je dis quoi? Il dit oui, apparemment c'est vrai. J'ai dit toi là, tu peux me dire ça? Il dit oui, n'est de kafiana, tu y as allé. M'falambra kumame. Abla Keita dit oui. Il y a même un officier, je tais son nom, qui m'a dit que son cas sera trois fois plus que le cas de Sadiba Koulibaly. Parce qu'à Kouma, au niveau de garnison, Moulka Kouma même que les gens sont extrêmement dessus de lui. Dessus de lui. Tellement que ça m'a dépassé, je n'ai rien dit. Arrivé à Philadelphie, avant de rentrer chez moi, j'étais à une station, après la station Awawa, j'ai garé, j'ai appelé encore une autre personne. J'ai demandé deux personnes comme ça. Le second me dit, attends, je vais demander à quelqu'un de renseignement. Parce qu'aujourd'hui, là, si tu veux avoir les informations de Doumbouya, là, il faut aller au renseignement. C'est au renseignement que tu peux avoir les informations concernant ce qui se trame. Et ce matin-là, je ne voulais même pas parler de lui, lui est commande de Faré. Je ne voulais même pas parler de lui. Ce matin, en revenant de 30 ans, bon, j'ai vu le message. Il me dit, Benito, c'est vrai. Ok. Mais Abla Keita, Agnatoulha, parce que j'ai mis la puce dans les oreilles de tout le monde. C'est Molba Melobla que personne ne s'est surpris. Parce que si tu fais, c'est un arrangement. Vous avez fait un arrangement. Parce que tu es en France, tout est réglé en France là-bas. Tu as vu les lobbies là, les lobbies t'ont préparé pour nous couper. Parce que tout le monde te respecte, les gens t'aiment. Tu as une barrière. Maintenant, toi, tu acceptes qu'on t'utilise contre ce peuple. Il n'y a pas de problème. Ne te fous pas la calaoka. Mais l'information est là. Adito Bekono. Le jour ça va arriver là. Que personne ne s'est surpris. Parce que l'arrangement n'est pas faux. Non, il a fait un coup d'état. C'est faux. C'est un arrangement. C'est un arrangement. Tu préfères, hein? Tu préfères prendre les milliards des lobbies là parce qu'ils veulent nos mines. Ils veulent nos mines. Ils ont vu en forêt que les gens sont déterminés pour en découdre avec les compagnies minières. Actuellement là, on veut rendre Doumbouya légitime. Pour lui, non, maintenant, personne n'a droit à parler parce que c'est un président légitime. Quand tu enlèves la tenue de te prendre là, et puis tu gagnes cette élection toi-même, c'est que tu ne sais pas légitime. Bradaï. Donc, on laisse ça.
comment, excusez-moi, terminer par la candidature libre. Je voudrais m'adresser à Dansa Kuruma. C'est vrai aujourd'hui, tout le monde le dit. Les seuls combattants qui restent maintenant, les combattants, ce sont les communicants activistes de l'IFDG et du RPG. Mais je pense que ce ne sont pas des gens qu'on peut acheter facilement. Et aujourd'hui, selon ceux qui parlent autour de vous, c'est comment faire me faire taire. Parce que j'aurais appris qu'il y a un monsieur qui doit me faire taire, moi. Moi, Benito. Mon grand frère, Ntarafa Yanadi, mon grand frère Lincoln Souma. J'aurais appris, il y a un petit avec un faux compte l'a écrit sur ma page. Dans ça, j'ai reçu ce document. Avant de partir à Buffalo. Ceux qui connaissent la géographie des États de Buffalo, c'est Buffalo, Montréal. Je sais. Mais dans un moment, je n'ai pas payé. J'ai ma protection personnelle pour m'amuser avec. Je ne suis pas allé me déclarer à la police locale parce qu'aux États-Unis, chaque district a sa police. C'est-à-dire, ce n'est pas comme un père. Dès que tu fais bang bang, on appelle la police de l'autre côté. Non, non. Chaque quartier, chaque district a sa police aux États-Unis. Et chaque État a son state police, c'est-à-dire la police d'État de l'État, c'est-à-dire le sommet de chaque État. Il y a aussi la police fédérale, il y a la protection civile. Il faut demander aux gens, il y a l'agence ici, à Downtown de Philadelphie, la protection civile. Ils sont là-bas, ils sont lourdement armés. Quand tu te sens menacé, tu t'en vas déclarer. Et puis tu dis ton activité, ce que tu fais. Dans ça, c'est ce que je fais 9 mois avant aujourd'hui. Je suis allé les expliquer tout ce que je fais. Même mon jeune frère, même Damaru l'a fait. Ils nous ont demandé de payer une protection personnelle. Faba de moi aussi, sur moi, voilà la famille de sa maman ici. Ils ne sont pas loin de moi. Il y a un individu qui j'ai trouvé quelqu'un pour me faire taire. Il n'y a pas de souci. Vous avez fermé les médias parce que c'est ce que j'ai dit. Si vous étiez trop sûr de vous, ce que vous faites là était normal et correct, vous êtes sur la bonne voie. Aujourd'hui là, l'avant-projet que vous avez comme ça, s'il y avait les grandes gueules, Joma Film et autres médias aujourd'hui, ça allait être trop lourd dans vos mains, ce que vous appelez avant-projet. Et quand je pense que ceux qui ont détruit la presse là, étaient les miroirs de ces nouveaux journalistes là, parce que quand tu demandes à certains journalistes de grande gueule, de Dioma et autres là, c'était qui? Les Fanassouma, les entendre avec le français limpide, c'était extraordinaire. Beaucoup de ces, comment s'appelle le gars? Mais c'est grave. C'est eux qui se sont associés pour détruire la presse privée. Mais ils pensaient qu'ils allaient s'en sortir. Vous ne pouvez pas nous faire taire. Mais la candidature libre dont on vous parlait dans votre truc là, parce que Doumbouya là, ne le cafouillez dans ça. Si Doumbouya devient candidat, wallah, si c'est lundi, si c'est Mandebori, dans ça, Kuruma, l'enceinteur, Moussokoto, Diallo, il y a une seule personne qui te dépasse dans le gouvernement, c'est Idi Amin. Parce que lui, il couche avec les femmes, les gens, c'est-à-dire les femmes mariées. Il ne couche pas avec célibataires. Idi Amin, il ne couche pas avec célibataires. Les femmes mariées, en cas de dégâts, là, on peut porter ça sur le mari de l'autre. Tu comprends, non? Nele Kafunyana, Nala Bana Menema, il est dans sa courbe. Wallahi billatallahi. Il faut trouver toutes les formules du monde. Prenez tous ces documents-là, montrez à la communauté internationale pour dire que Doumbouya peut être candidat. Le jour où, parce que ce que les gens attendent là, c'est l'officialisation de ça. C'est le jour où la première formule, on entend que non, il a délégué ses pouvoirs dans les mains de commande de Farré. Automatiquement, nous comprenons que le train est en marche. Le deuxième point,
qui va nous signaler. Le deuxième point qui va nous taguer par rapport à votre projet, c'est lorsque nous allons voir les affiches. Parce que Doumbouya ne dira jamais qu'il va ôter la tenue pour être candidat. Il le sait très bien. J'aurais appris même que même les derniers militaires qui avaient les armes là, ils ont tout récupéré. Les derniers militaires. Même parce que vous avez écouté ce que Kounduno, ne comptons pas sur un militaire, nous là. Ne comptons pas sur un militaire, nous comptons sur le peuple. Je ne m'adresse pas à Matoto, Bessia, Matamla. Oui, ceux qui sont devenus complices du pouvoir. Parce qu'eux, ils ne manifestent pas, ça concerne l'axe. C'est pas un Oumar Sylla. La liberté de la presse, hein, la pauvreté, la cherté de la vie ne concerne pas l'axe. Mais vous avez montré aux yeux du monde que c'est l'axe qui est concerné par la pauvreté, par la souffrance en Guinée. Le genre de matot là, Antaïot là. Personne n'a bougé. Ne le cave, escroc Bansan. Vous pensez que les gens ont peur de vous? Matot Dixine. Vous pensez que quelqu'un a peur de vous? Voilà ici, je viens d'avoir. On dit le procès du 28 septembre 2009, Moussa Dadis quand déclaré coupable de crimes contre l'humanité. Moussa, c'est ça. Moussa Dadis est déclaré coupable de crimes contre l'humanité. Merci aux petits forestiers. Merci d'avoir livré Dadis. Dadis est déclaré coupable. Donc c'est fini. Je pense que, hein? Ne tu es que quelqu'un se lève à Matoto là-bas, Matoto des escrocs. Vous pensez que vous pouvez même Touma. Vous pensez que c'est un ceux qui étaient dans les mauvais rêves là. Même Touma, excusez-moi, j'ai pas lu tout. Même Touma est concerné. Vous pensez que Touma allait sortir les boubous et autres qui vous donnent à Touma là. Pensez qu'ils allaient s'en sortir. Ils sont tous responsables. Je vous dis hein. Vous pensez que, quand j'ai dit, Dadi, c'est responsable, le 28 septembre, là, il y a des gens qui m'ont insulté ici. Vous m'avez entendu tout le temps dire ça. Il est indirectement responsable. C'est lui le chef de la junte. Si quelqu'un tue, c'est lui le responsable. Quelqu'un frappe, c'est lui le responsable. Est-ce que les Alpha Condé a pris un fusil pour tirer sur quelqu'un? Alpha Condé a tué quelqu'un? Il a tué quelqu'un? C'est sa gouvernance. Mais voilà, ça là. Celui qui vient de condamner à mort les autres là. Abla Keita, comment de faire? Je m'adresse à Ekala, le très mauvais à vous. Comment est-ce que l'axe, et puis arrive ici pour les indexer, que ce l'axe, qu'on foulard le comportement sur le. Quoi, le foulard le? Allez, foulard le. La Guinée dit foulard le. Non, attends, foulard. Dis foulard, mouton, auto, et un mouvement beau, et un problème beau. Foulard. Est-ce que quand vous regardez la Guinée, c'est un problème de foulet? Actuellement, la Guinée, c'est un problème de foulet? La Guinée, c'est un problème de foulet? Hein? C'est un problème de foulet? Regardez la cherté de la vie. Regardez le problème de courant. Mais des escrocs sont flanqués à Matoto. Et puis, pieds couragés comme ça. Et puis, c'est eux rapidement qui tapent au téléphone. Benito Anila Koro. Hein? Anila Koro, voilà Nadia Moudie Koro, voilà Nadia, les gens là c'est des escrocs, non, Benito, Koro Galibi, Benito, Yamana Belema Benito, au téléphone, hein? Ils sont flanqués à Matoto là-bas, à Anta, et puis quand ils disent non, ah, Benito, Anni Antin, Anni Madine Antin, calmement balayate Benito, Yamana Belag Balea. Mais quand il s'agit de défendre l'intérêt du peuple là, ils sont flanqués dans les maisons. Ça cause vraiment les appels téléphoniques là. Si ce n'est pas les vrais connaissances là, je prends même si tu envoies un message là, j'explique comme ça et puis je passe. Regardez, hein? Regardez, ma tante, les gens sont assis. Et puis c'est de l'autre côté, se trouve la Touma. Vous êtes comme ça face à face. Oumar Sylla, c'est qui? Oumar Sylla, c'est un foulet. Oumar Sylla, c'est un soussou qui se bat. Tu sais, bah, je l'ai tout à dit. Il nous a combattu, c'est vrai. Parce que c'est un membre de la société civile, oui. On l'a attaqué, oui, c'est notre combat, la communication.
Mais quand vous le regardez, il se bat pour qui? Omar Sylla là. Si Omar Sylla là. Si Fonike Mangue se battait pour ses propres intérêts, il allait être l'homme le plus riche, le jeune le plus riche. Mais aucun jeune ne pouvait se comparer à Fonike Mangue. Que je prie Dieu qu'il soit vivant. Demandez-le. Est-ce qu'il y a une proposition qui n'a pas été faite à Fonike Mangue? Une proposition. Le donner des milliards. Avoir un poste. Il n'y a pas ce qui n'a pas été proposé à Fonike Mangue. Il n'y en a pas. Le petit a laissé tout ça là. Et puis, Fonike Mangue là. C'est un foulet. C'est un foulet. Vous avez vu qu'on a... Est-ce que nous avons peur de vos mots-là? Que Alou Koumala trop, Aya Totembutu. Tu dis qu'Alou Koumala trop, et puis Aya Fayakan qui s'abat les boutons, Aya Totembutu. Pourquoi vous nous suppliez? Pourquoi vous nous suppliez? Vous dites que nous parlons trop, maintenant ça suffit. Doumbia et l'eau verte ne se ramasse plus. Laissez-nous tranquilles. Mais pourquoi vous nous demandez, vous nous suppliez de vous laisser tranquille? Vous n'êtes pas Doumbia? Mais vous n'êtes pas Doumbouya. Je pense, hein? Et puis c'est ça. 90% des débats dans les bars café au plat, ce sont nos vidéos. Quand on balance une information, vous partez vous asseoir et puis vous faites le débat dessus. Et puis vous ne sortez pas. Bande d'escrocs réunis comme ça. Il n'y a que des restes d'escrocs. Maintenant, là, Assini, avant le côté, quand il y a changement maintenant, parce que vous dites des choses, ce sont des anéries. Qu'on n'a pas le cas donc, Alpha Condé. Qu'est-ce que vous avez fait pour Alpha Condé? Alpha Condé Koro. Vous, de Matoto là, qu'est-ce que vous avez fait? Quoi le cas donc? Maintenant, Dombra Banque là, ou Bantabila. Maintenant, là, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas à manger, un sac de riz à 400 et quelques mille, couranté, dité, ballotté, hein? Difficilement vous gagnez le salaire, il y a même pas, on ne parle pas d'emploi, qui travaille aujourd'hui? Ce n'est pas ces petits fonctionnaires-là, tout autour de la famille de Doumbouya, même les vrais fonctionnaires dans les confins, là, les gens perçoivent leur salaire le 20 du prochain mois. Vous êtes flanqué dans vos maisons. Mais, que quelqu'un prend son téléphone maintenant, qui m'appelle, je demande, tu vis dans quelle commune? Il va vous dire que tu vis dans ma tote là. Tu me dis que tu vis à ma tote. Je ne dis pas un partenaire de quelqu'un que je connais avant. Misoma. Mais un nouveau comme ça là qui m'appelle pour me dire, hein. Le gars, c'est que mon frère dit comme ça, chez nous, là-bas. Ah, il paraît que tout zéro que aujourd'hui est venu. Depuis hier, là, tout est militarisé. Zéro Corée, tout. Aujourd'hui, là, vous avez vu, tous ces petits forestiers vendus qui ont soutenu Doumbouya. Voilà maintenant. Vous avez vu, Doumbouya vous a dit, de faire entrer Dadis, que c'est un procès comme ça pour rendre Dadis propre. C'est ce qui a été dit, qu'on voulait se rendre propre, le rendre crédible, et puis qu'il peut être candidat. Vous avez sauté, pow! C'est lui qui a trahi son bienfaiteur. C'est Alpha Condé qui l'a nourri. C'est Alpha Condé qui l'a fait manger. Vous n'avez pas entendu Alpha Condé? Vous n'avez pas entendu Alpha Condé le jour où il dit... Ce qu'il a dit sur France Air, sur Jeune Afrique, vous l'avez pas entendu? Je les ai nourris, je les ai habillés, et puis venir signer ma démission pour des enfants que j'ai nourris, que j'ai habillés, jamais. Vous comprenez? Mais moi là, demain, dites que non, je suis... Moi, je vous ai dit, dire que je suis de l'IFD, ça ne me dit rien. Mais les morts de l'Axe-là vont cesser un jour. Bientôt, un jour va venir celui-là.
Personne n'osera tirer sur un individu laxe. Excusez-moi du mot individu. Parce que qu'on a comme Olu. Parce que comme Olu. Est-ce que vous avez entendu les adlaxes là dire que c'est le lengalo? Tu entends maintenant plus un songi. Bilakoro et puis n'a la songi. Parce que c'est vrai. Les gens souffrent. Mais alors que gaz. Parce que vous ne comprenez pas pour là, c'est tout. Sinon, ce qu'ils disent là, ce n'est pas politique. Ce qu'ils disent là, ce n'est pas politique. Allez, écoutez très bien. Prenez vos téléphones, traduisez ce qu'ils disent dans Poula là. Prenez-moi le mot politique dedans. Pour l'exclusion de ceux-là, je ne parlerai pas de ça. Vous avez eu peur, vous avez dit 40 ans, 80 ans. Patati patata. Moi, je me limite là. Portez-vous très bien. En tout cas, commande de Faray. Toi, Blaketa, mon ami, ma franchement, hey, je ne me sens pas bien à cause de toi. Fonike Mange. Comment on appelle ça? A Blaketa, commande de Faray. Là, je ne me sens pas bien. N'a espoir que espoir dunia, espoir bêta. Kalaikan. Et qu'il a même fait. Tu penses qu'il va réussir? Il ne va jamais réussir. Jamais! Et quand la main est là, d'abord, on le fera que là où Doumbouya a pris Alpha Condé, commandé Mabo, que là où Doumbouya a pris Kassori, les soufous ne sont pas sortis, que là où Doumbouya a pris Damaro, les forestiers ne sont pas sortis. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, là, parce que les gens nous ont dit, non, Alpha, là, ils sont. Ceux qui venaient vers nous, là, ils sont là-bas. Non, acceptons Benito. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous acceptiez les choses? Et vous dites que que vous bavardez seulement, vous bavardez. Quand tu entends certains individus parmi eux là, non, ils bavardent trop, ils sont sur les réseaux, ils nous fatiguent trop, quittez là-bas, patati patata. Deux ou trois heures après, il y a un autre groupe qui, ils sont scindés en deux groupes de conseils et d'attaques. Non, Benito, Ani Munkela Boutou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vraiment elle est calmée? Dès que tu leur dis de libérer nos autorités là, vous savez qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'on a eu un problème avec la loi. C'est ce qui me fait mal. Ça me fait tellement mal. C'est-à-dire, ils viennent vers toi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer les choses entre vous et Doumbouya, vous et le gouvernement, tout ça? Dès que tu leur dis de libérer nos cadres, ils disent bon, les Kassoud, les Damaro, les autres là, ils veulent un problème avec la justice. Quand on me répond comme ça, là, j'ai envie de... La dernière fois, Kadoula, Kakadaro, Katoum. J'ai dit, tu t'entends? Est-ce que tu t'entends, toi-même, ce que tu as dit? Ils ont un plan avec la justice. Qui gère la justice? Qu'on a que la justice est indépendante. Et puis, il a le kilo là, avec ses testes qui te dit que la justice est indépendante. Et je l'ai simplement dit. Alors, pourquoi? Nous avons vu deux cas ici où le procureur a demandé, attendez, et le juge, on va appeler. Il y a eu ici des appels. En ce temps, les juges et les filles hors la marché. Il y a un juge qui a appelé avant que le verdict ne... Non, bon, à ma connaissance, c'est bon. Voilà. Quand tu finis de me parler, puis je te coupe, et puis je te bloque. Et puis c'est terminé. Et pendant, on se reprend. Donc, dans sa Kourouma, il faut changer. Il faut tout, parce que toi, tu sais convaincre, tu ne sais pas actuellement là qu'on ne peut pas tuer deux membres de la société civile et puis dormir tranquillement. Regardez, ils ont mis 200 personnes. Vous avez pris des filles. Je dis, hein, des filles comme service de renseignement, des filles pour chercher Mohamed Cissé. Vous ne verrez jamais ce petit. Le petit là, il est devenu un tueur. Le petit là sera devant vous dans un procès. Mohamed Cissé là, lorsque le procès de l'assassinat de Oumar Sylla, Fonike Mange et de Bilo, dans un futur procès, Mohamed Cissé là viendra à la barre en tant que témoin expliquer les déroulés des événements jusqu'à la mort de Fonike Mange. Nous serons là derrière Mohamed Cissé pour l'appuyer. Voilà, ça c'est bientôt.
Sinon, si vous êtes sûr que vous ne l'avez pas tué, pourquoi vous cherchez Mohamed Cissé? 200 personnes, les services de renseignement, à la recherche du petit. Vous ne verrez jamais ce petit-là. Vous pensez que le petit allait commencer à parler, étant en Guinée, vous n'avez rien compris. Bande de fourriers. Quand tout ce que le petit l'a dit, est-ce qu'il a les preuves? Lui, il a vécu, on dit, est-ce qu'il a les preuves? Donnez la parole à Ousmane Gawale. Il va vous détailler ça. C'est lui qui sait défendre les choses comme ça, avec ironie. Bon, ne dites pas que je ne... Quelqu'un, Aliouba est menacé. Je vais parler de ça après, Inch'Allah. Je vais juste me reposer un peu. Après, nous parlerons de ça. Merci, portez-vous très bien. Excusez-moi pour hier. J'étais en déplacement, ok? Voilà, portez-vous bien. On se reprend.